Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier écrire. Il s'agit d'un texte de Marguerite Duras, publié en 1993. Marguerite Duras parle de sa maison de Nauphle-le-Château où elle vivait seule. Elle dit que c'est dans cette maison qu'elle a écrit. Elle nous parle de ses insomnies et de son désespoir qui l'ont conduit à s'alcooliser. Elle a plusieurs amants à qui elle ne donne pas à lire ce qu'elle écrit. Elle cache l'écriture de ses livres par peur d'effacer le livre. De sa maison, elle regarde le monde extérieur, c'est-à-dire les enfants sur le lac gelé ou les voitures. Être écrivain est la destinée de l'auteur, elle le sait et d'autres le lui disent. Elle nous parle de ses débuts d'écrivain. Elle nous parle aussi de ses rencontres, par exemple avec Lacan, avec Raymond Queneau, avec Robert Anthelme, avec aussi Gallimard. Elle raconte ses écritures à propos de ses romans comme Le ravissement de l'Holbechstein, Le vice-consul, Un barrage contre le Pacifique. Elle nous dit qu'elle a utilisé une carte pour l'écriture du vice-consul afin de décrire les endroits où elle n'est pas allée. Elle dit toujours finir ses romans qu'elle a commencés. Elle parle du vide de l'écrivain devant le livre qu'il n'a pas encore écrit. L'écriture lui permet, durant le temps durant lequel elle écrit, de ne plus boire. L'écriture est prenante, elle est tellement remplie par l'écriture de ses livres qu'elle a du mal à reconnaître quelquefois ses amis. Selon elle, l'écriture rend sauvage. Elle a commencé à écrire avant d'avoir acheté la maison, mais son écriture a commencé à connaître une forte expansion après l'achat de la maison. Elle se rappelle l'achat de cette maison. Cette maison, elle l'a achetée pour elle, même si elle reçoit des amis et ses amants. Elle sort quelquefois de la maison, mais pour elle, la maison correspond aussi au village. Elle se rend compte qu'avant elle, il n'y a jamais eu d'autres écrivains dans cette maison. Il n'y a eu que des fermiers et des soldats allemands. Elle nous parle des différents essais de l'écriture dans différentes pièces de la maison. Elle parle de ses sorties avec les gens du village. Pour elle, le désespoir est parallèle à l'écriture. Il faut accepter l'échec en écriture, soit pour aller vers un autre livre, soit pour aller au même livre. Elle nous parle de la distance entre l'écrivain et son livre une fois écrit. Elle se penche également sur l'origine de l'écriture. Elle écrit le matin et sans horaire. Elle aime les livres libres et non ceux réglementés, qu'elle rejette et qu'elle sent tout de suite. Elle sent quand l'écrivain a apporté des retouches a posteriori. En le faisant, l'auteur s'auto-censure. C'est ce qui enlève pour elle la véritable identité d'un livre. Le roman n'est plus un roman et il devient un livre banal, il devient commun. Elle et les autres ne savent pas exactement ce que c'est qu'un livre, mais tout le monde sait le reconnaître quand il y en a un. Le monde sait aussi reconnaître quand ce n'en est pas un. Elle n'aime pas les livres sans prise de risque, qui sont pour elle des passe-temps. Elle parle de certains écrivains qui ont peur d'écrire, mais qu'heureusement, elle n'a pas peur d'écrire. Elle parle de l'insulte, qui est pour elle une écriture adressée. L'insulte permet de s'assouvir comme lors de l'écriture. Elle nous parle également des conséquences de la solitude qui conduit à la perte de raison. Rien que dans le fait d'être seule, elle dit aller dans le délire. C'est dans cette maison déjà qu'elle imagine les personnages féminins, qu'elle imagine le passé de cette maison et de cet étang. Elle ne jette pas les fleurs qui sont fanées et elle nous parle des deux crépuscules, celui de l'été qu'elle regarde et celui de l'hiver qu'elle cache. Elle compare l'écriture à une maladie et à une folie. Mais ce n'est pas parce qu'on écrit que l'on est fou. Le début de l'écriture est caractérisé par l'inconnu et non par le savoir prémonitoire. Écrire, c'est tenter d'être un écrivain. L'écriture ne paraît pas comme une personne, mais comme un élément à côté d'une personne. Marguerite Duras est respectueuse vis-à-vis des livres en général, mais aussi des livres qu'elle écrit. Un livre commencé est fini, et le livre a pour elle une raison d'être. Les livres sont liés à cette maison. Elle découvre cette passion, elle découvre qu'elle est une écrivain dans cette maison. J'ai l'impression que selon elle, certains individus sont écrivains et d'autres pas.
Il y a aussi des mauvais écrivains que l'on peut ranger dans la case des non-écrivains. L'individu ne choisit pas d'être écrivain, c'est quelque chose qui s'impose à lui, il a l'air de toujours le savoir. L'écriture sauve de la solitude. Marguerite Duras a l'air de dire que l'écrivain écrit pour se sauver de la solitude. Pour elle, écrire, c'est crier sans voix. Le thème central du texte est l'écriture. Marguerite Duras tente de la définir, tente de mettre des mots sur cet acte qu'il est difficile de décrire. Elle le décrit du début jusqu'à la fin du livre. Je n'ai jamais trouvé un autre livre qui traite de ce sujet si difficile avec autant de justesse. On sent que Marguerite Duras prend du temps pour écrire, que tout est réfléchi, pensé, pesé pour dire exactement ce qu'elle voulait dire. Elle est spontanée et en même temps, elle est réfléchie, ce qui est assez bizarre. Marguerite Duras ne le dit pas clairement, mais on dirait qu'il faut un malaise avant d'écrire, et si elle parle d'une solitude ou de doute. Mais le malaise peut être autre chose. C'est ce malaise qui conduit l'écrivain à écrire. C'est à croire que les gens heureux n'écrivent pas, ou du moins n'écrivent pas aussi bien. On ne peut pas écrire à deux. On est toujours seul face à l'écriture, contrairement à d'autres arts où l'on peut être à deux, comme par exemple pour la musique. Pour elle, l'écriture n'est pas totalement immatérielle. Elle reste à mener. Marguerite Duras a peu de contact avec l'extérieur, elle a des visites qu'elle reçoit, mais il lui arrive de ne plus reconnaître les gens. Elle fait également des visites au village, mais pour elle, le village correspond à sa maison. L'écriture a l'air d'être un acte douloureux. Il est amené et amène à la solitude, elle se dit proche d'un état de folie. Cependant, l'écriture ne rend pas triste l'écrivain. L'écrivain a l'impression de devoir faire quelque chose, et il le fait. Le livre ne supporte pas d'intrusion, il ne supporte pas de conseils, il ne supporte pas d'être lu avant qu'il soit fini. Marguerite Duras a peur que cela change le livre. La nuit est toujours vue comme quelque chose de difficile, c'est là où il y a le plus d'angoisse, de peur. Marguerite Duras est obligée de passer par l'alcool pour arriver à trouver le sommeil. Elle oppose le jour, qui est inintéressant, à la nuit, qui lui fait peur, mais qui a l'air plus intéressante. Avec Duras, même quand c'est le jour, on a l'impression que c'est la nuit dans ses sentiments, dans son mal-être. C'est d'ailleurs le matin qu'elle écrit. Les livres que l'on peut qualifier de gentils ne l'intéressent pas. Ce sont des lectures qui ont été remaniées pour être lues par tout le monde. Et pour Marguerite Duras, ils n'ont aucun intérêt. Ce sont des livres de jour. Pour Duras, l'écriture, la vraie, doit être sauvage. La littérature ne doit pas être trop réfléchie, elle doit provenir d'un seul jet. C'est également une prise de risque. Ce roman fait part de trois éléments, l'écrivain, la maison et la solitude. Tous trois ont des relations entre eux. L'écrivain a besoin de la solitude et la solitude permet à l'écrivain d'écrire. La maison amène la solitude et la solitude entre dans la maison. La maison amène le sentiment voulu à l'écrivain et l'écrivain amène l'écriture dans la maison. Je crois que c'est ça que je reproche aux livres en général, c'est qu'ils ne sont pas libres. On le voit à travers l'écriture. Ils sont fabriqués, ils sont organisés, réglementés, conformes, on dirait. Une fonction de révision que l'écrivain a très souvent envers lui-même. L'écrivain, alors, il devient son propre flic. J'entends par là la recherche de la bonne forme, c'est-à-dire de la forme la plus courante, la plus claire et la plus inoffensive. Il y a encore des générations mortes qui font des livres pudibonds. Même des jeunes, des livres charmants, sans prolongement aucun, sans nuit, sans silence, autrement dit sans véritable auteur, des livres de jour, de passe-temps, de voyage, mais pas des livres qui s'incrustent dans la pensée et qui disent le deuil noir de toute vie, le lieu commun de toute pensée. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait, mais on sait quand il y en a un, et quand il n'y a rien, on le sait, comme on sait qu'on n'est pas encore mort. C'est curieux un écrivain, c'est une contradiction et aussi un non-sens. Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit, c'est reposant un écrivain, souvent ça écoute beaucoup. Ça ne parle pas beaucoup parce que c'est impossible de parler à quelqu'un d'un livre qu'on a écrit, surtout d'un livre qu'on est en train d'écrire, c'est impossible.
C'est à l'opposé du cinéma, à l'opposé du théâtre et autres spectacles. C'est à l'opposé de toutes les lectures. C'est le plus difficile de tout. C'est le pire. Parce qu'un livre, c'est l'inconnu. C'est la nuit. C'est clos, c'est ça. C'est le livre qui avance, qui grandit, qui avance dans les directions qu'on croyait avoir explorées, qui avance vers sa propre destinée, celle de son auteur, alors anéanti par sa publication, sa séparation d'avec lui, le livre rêvé, comme l'enfant dernier-né, toujours le plus aimé. Quand un livre est fini, un livre qu'on a écrit, j'entends, on ne peut plus dire en le lisant que ce livre-là, c'est un livre que vous avez écrit, ni quelles choses y ont été écrites, ni dans quel désespoir ou dans quel bonheur, celui d'une trouvaille ou bien d'une faillite de tout votre être. Parce que, à la fin, dans un livre, rien de pareil ne peut se voir. L'écriture est uniforme, en quelque sorte, assagie. Rien n'arrive plus dans un tel livre, terminé et distribué. Et il rejoint l'innocence indéchiffrable de sa venue au monde. Être seul avec le livre non encore écrit, c'est être encore dans le premier sommeil de l'humanité. C'est ça. C'est aussi être seul avec l'écriture encore en friche. C'est essayer de ne pas en mourir. C'est être seul dans un abri pendant la guerre, mais sans prière, sans Dieu, sans pensée aucune, sauf ce désir fou de tuer la nation allemande jusqu'au dernier nazi. L'écriture a toujours été sans référence aucune, ou bien elle est encore comme au premier jour, sauvage, différente, sauf les gens, les personnes qui circulent dans le livre, on ne les oublie jamais dans le travail, et jamais elles ne sont regrettées par l'auteur. Non, de cela je suis sûre, non, l'écriture d'un livre, l'écrit. Donc, c'est toujours la porte ouverte vers l'abandon. Il y a le suicide dans la solitude d'un écrivain. On est seul jusque dans sa propre nuit. Toujours inconcevable, toujours dangereux. Oui, un prix à payer pour avoir osé sortir et crier. Écrire, je ne peux pas. Personne ne peut. Il faut le dire, on ne peut pas. Et on écrit. C'est l'inconnu qu'on porte en soi. Écrire, c'est ça qui est atteint. C'est ça ou rien. On peut parler d'une maladie de l'écrit. Ce n'est pas simple ce que j'essaie de dire là, mais je crois qu'on peut s'y retrouver, camarade de tout pays. Il y a une folie d'écrire qui est en soi-même, une folie d'écrire furieuse, mais ce n'est pas pour cela qu'on est dans la folie, au contraire. L'écriture, c'est l'inconnu. Avant d'écrire, on ne sait rien de ce que l'on va écrire, et en toute lucidité. C'est l'inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n'est même pas une réflexion. Écrire, c'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d'une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui quelquefois, de son propre fait, est en danger d'en perdre la vie. Si on savait quelque chose de ce que l'on va écrire, avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. On ne le sait qu'après. Avant, c'est la question la plus dangereuse que l'on puisse se poser, mais c'est la plus courante aussi. L'écrit, ça arrive comme le vent, c'est nu, c'est de l'encre, c'est l'écrit, et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie.